On n'est pas encore en OP, les gars. Là, c'est juste moi qui choisis de faire le tuto en live. J'étais pas obligé de le faire. C'est tout à l'heure avec Squeezie l'OP. Là, c'est vraiment moi parce qu'on m'a dit que c'était un bête de jeu. Donc, vas-y. Voilà. Léger la cam. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est souvent pendant les chargements et tout. Là, là, voilà, il y a un chargement. Mais... long chargement. 8 ans avant la bataille des montagnes. Alléluia. 2146. À l'intérieur de la tutelle des ambassadeurs partenaires dans l'école locale pour enfants Navis. Pour Lys. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ray. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Qui c'est qui chantonne pendant les cours, là ? Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, allez. Alma. Plus de son, les gars ? De ce à quoi ressemble la vie de Harari. Je vais monter de son après. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Built upon its slang. Mats Mouquet, tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a... RDA, c'est les humains, en gros. Et Na'vi, c'est les... c'est les avatariens. Voilà, je crois. D'après le film. C'est ça, hein, chat. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Bim! Manor? Manor, Tenzi. Anganahu, Tam. Sous-titres plus gros aussi ou pas, les gars? Faites-moi une liste de ce que vous avez besoin là. Plus de son, sous-titres plus grands. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. Ah, c'est pas les clones créés, ça ? On ne sait pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir, ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chant. Ok. Ah, c'était vrai, ok. Chat, y a besoin d'avoir de voir l'Avatar 2 ou pas ? Nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire juste pour savoir. Avant qu'il soit trop tard. Nous sommes non, ok. Que maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. Déjà la VF, les gars, est surprenamment bien. Non. Pour le coup, ça fait plaisir. La VF est bien, les gars. Même si on entend toujours les mêmes voix parce que c'est toujours les mêmes acteurs VF. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher.
Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. Ah, on peut pas respirer leur air? On les a trouvés. Déjà, on vient de sortir de la cachette. Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Je criais sans... Nous avons oublié les mots. Mais j'ai cru qu'elle allait chanter le thème de Halo, les gars. Ça aurait été incroyable. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire. Arrêtez de chanter. Allez, on rentre chez nous. Aona, Kane, Kelku. Préviens, Harry, pas un pas de plus. Ça, on m'a taillé là. Où est-ce qu'il va, Nekelko? Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Pour le moment, c'est carré, les gars. Alors qu'en plus, c'est normalement les enfants, ça m'énerve, mais pour le moment, c'est carré. Hein. Carré. 8 ans plus tard, la Torug Makto et les Omitikaya se soulèvent contre la RDA. Bah tiens. Bah tiens. Donc, techniquement, l'histoire d'Avatar, c'est les humains qui ont trouvé une planète. Nous allons reparler de l'économie terrestre. Et qui vont chercher les ressources de la planète, forcément. De la nouvelle planète qu'ils ont trouvée. On doit utiliser des armes humaines. Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi? Hell's Gate. On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les Na'vi contre nous. On aurait dû se méfier d'eux. Ah donc ça, c'est la fin de Avatar 1, les gars. Récupérez vos affaires et retournez dans votre corps. Bien. C'est ça? C'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez, je m'en occupe. Oh, bien. Vous devez y aller. Du gameplay, t'es content de voir du gameplay? Eh, du gameplay, pas seulement, 18h24 du gameplay. Mais attends, du coup, il se passe quoi là? Du coup? Chiche! Suivez-moi, vite! Attends, donne-moi l'arme, vite voilà. Attends, l'arme, mais voilà, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. Ils oublient les armes. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant hein? Un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Chiche, les pieds, miam! Hein? Attends, mais... Du coup, elle nous a crié au génie...
cryogynécolisé. Et là, je choisis mon avatar. Let's go, baby! On va essayer de faire Gigachad en avatar, les gars. On va essayer de faire Gigachad en avatar, les gars. Gigachad en avatar, les gars. Ok, 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 ok. Ok. Je peux pas choisir la couleur des cheveux? Ah si, mais c'est la peau. Alors ça, c'est très important, les gars. Qu'est-ce qu'on choisit? Un peu light. Ok, light. Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Formule d'adresse, très bien. Très, très bien. Giga Chadet. Descends. Oh, wow. Ok. Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas en vrai, les gars. Bleu. Je sais pas trop, les gars. Vas-y, allez, c'est bon. Boum. Schtroumpfette a été créé, les gars. Mais du bleu, y'a que du bleu, t'es con quoi. Y'a que du bleu. Ah merde, j'ai oublié de le son et tout. Rappelez-moi la liste, ce que j'ai besoin. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Changez de titre, mettez tuto avatar en attendant Squeezie, ok. Longtemps. Mettez un truc comme ça. Très longtemps. S'il vous plaît, Mondo, merci. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. Chiche, il a un gilet de combat. Attends, c'est qui? C'est celui? C'est ici. Ceux qui viennent du ciel sont... Ah non, guerrier Navi. Sarentu. C'est celui, ça, non? Je m'avais jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve, vous avez seulement... Franck, un tuteur unknown. Comme ça, tu pourras attendre. Plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Il ressemble, hein? Ça se trouve, c'est lui, mais on sait pas. Enlève la grosse soirée Squeezie, genre en attendant, Squeezie. Couvre-chef. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, attends, j'ai déjà des loots. Non. Attends, mais les humains sont vraiment à ce moment-là minuscules? Ouh, la proportion, j'avais jamais vu. C'est vrai que dans les films, ils sont très très grands. Ok, difficulté des combats. Je l'ai laissé en moyen, les gars. Guidé, champ de vision, 105. Modification de champ de vision en courant. Non. Ah, quoique, peut-être on va mettre oui, je sais pas encore. Tu sais, pour l'effet de vitesse. Complicité de la récolte. Ah, c'est bien. Mais j'adore ces jeux-là parce que, les gars, tu peux vraiment tout modifier. La manière dont tu joues, quoi. Ok. On va regarder. Alors, c'était quoi, les gars? C'était quoi la liste? Tu peux mettre en difficile? Ouais, mais mec, là, il faut que je speedrun un peu. Je mettrai peut-être difficile plus tard. La liste, s'il vous plaît, la liste. Sont trop faibles. Alors, 20% de plus sur le son. Donc, c'est bon. C'était quoi les sous-titres après? Taille des sous-titres moyenne, par défaut. Let's go, baby. Ok. Quoi d'autre? Plus de mouvement off, c'est bon. Tu vois, toi, tu mériterais un petit time-out. Parce que c'est gentil, mais...
Jouer l'histoire principalement et terminer le quête de clan. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse pour pouvoir jouer avec Squeezie. Ok, les gars? C'est parti, mon kiki. Il y a quand même un espèce de flou de mouvement. Attends, non? Chat. Ou c'est la profondeur de champ? Il y a un espèce de flou de mouvement, non? C'est la profondeur de champ, je pense. Ok, et après il y a la sensi de la souris aussi, je voulais changer. Sensi de la souris. Sensi. Lissage de la souris, 0. Sensibilité de la souris sur les images mémorielles, c'est quoi ça? Sensibilité de la souris sur les montures. Je sais pas, je vais mettre 65. Mais du coup, je vais mettre 65 partout? Ok, vas-y, on va tryhard un petit peu. Hein. Attends, 65, qu'est-ce que c'est bien? Ah, ça me paraît bien. Il y a un espèce de flou quand même, hein? Ah! Vas-y, attends, et après aussi, il faut juste que je modifie une commande aussi. Comment je modifie les commandes, les boutons? Les boutons. Genre, comment je modifie un bouton? Parce que je veux le finir le jeu, donc je veux. Les boutons. Quelqu'un a vu? C'est le flou de course. Ah, le flou, il est activé? Ah ouais. Pourquoi il est activé? Bien vu. Il y avait flou de course? Bon, non, lui, il va prendre 48 heures, je pense. Ok. Commande vers le bas et mapping. Commande. Reconfiguration clavier souris. Putain, c'est dommage qu'ils aient caché ça. Hein. Alors, course auto. Ah ouais, il y a carrément une course auto. J'aime bien ça. Y. Ok. Maintenir en permanence, ça me va. Parfait. Coup de corps à corps. Attaque au corps à corps. V, c'est pour les nobs. Soigner W, ok, rengainer T. Ok, le reste, je pense que c'est bon, c'est plutôt carré. Voilà. Ah, y'a pas le flou là. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez trouver dans la réserve de la cantine. Trouver de la nourriture. S'accroupir. Tabasseux! Ah, c'est nos potes? Ou le coffre? Ok, ration RDA. Quand c'est? Oh, ok. Ok. Attends, je dois bouffer dans le jeu? Ah, c'est stylé. Genre, il y a l'aspect survie dans le jeu ou c'est juste la bouffe, ça me redonne ma vie? Ah, il y a un aspect survie? Non? Putain, mais encore lui, là. Il a toujours pas changé de tenue. Les enfants, ils sont vivants. Bon, on est bien caché en tout cas. Hein. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. Aveugle man. On s'en débarrasse. Tout ça. Ok, courir c'est bon. Alors ouais, donc c'est un toggle. Je croyais que c'était un maintenir. Il y a un slide, cancel slide. Ah oh, waouh, cancel slide, c'est fluide. Hein, cancel slide. Animation de saut, elle charge un petit peu. Mais c'est carré. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un véhicule. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un véhicule, les gars. J'ai pas l'impression, tu sais, d'un FPS assez classique. Ah, je peux faire des sauts chargés.
Ok. Ouais, tu sais, genre vraiment, j'ai l'impression d'être dans un véhicule, les gars. Ah, ils sont passés où tous mes potes là? Plus sain, les gars. Non, non, non. Cancer slide. Squeezie le flow et splaying avatar, les gars. Carré les déplacements. Par ici. Est-ce que ça va? Déjà un meilleur jeu que la Frostarfiac. Ouais ouais bah carrément. Bah, tiens, après ça. Prends ça. Clairement, franchement mec. Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé. Ils te cherchaient toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends. Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez. Merci Solek. Attends, c'est un stand de tir, elles sont où mes armes, genre? Hein? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a des... Attends, il y a des armes là. Ça va aller. Oui, Easter egg? Ouh, la petite perceuse des Walt. Hashtag ad. Attends. Hop là, petite perceuse des Walt. Hashtag collaboration commerciale. Oh, mon rêve. Mon rêve. Des Walt. Mon rêve. On a déjà une meilleure intro effectivement que Starfield, hein, clairement les gars. Starfield, l'intro elle est désastreuse. Désastreuse. Alors du coup, ça montre qu'il y a un aspect infiltration dans le jeu aussi. Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? C'est ouf comment t'es plus grand que tout. T'as l'impression d'être dans un mecha et genre t'es plus grand que tout quoi. Et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool, très très cool. Ça donne une autre dimension dans la FPS les gars. On a toujours l'habitude dans la FPS d'être à taille humaine quoi. S'accroupir vous rendra plus difficile à repérer. Et marqueur de déplacement, ok. J'ai pas lu, désolé. J'ai pas lu, je... Quel est mon objectif? D'autres petits nouveaux sont arrivés la semaine dernière. Je me demande combien sont encore vivants. Pourquoi faut que ça soit toi que je me coltine? Oh, ça t'est stylé que le fait que je bouge la boîte... Et attends, en vrai, hey, en vrai, faudrait pas les taper? En vrai, il aurait pas fallu aller les taper, les gars? Moi, je suis chaud. Ah si, bah je suis grillé. C'est quoi ma jauge violette? Alors ici... J'infiltre encore... Ok... C'est ma fin? Le gymnase est verrouillé. Non, c'est pas ma fin. Ah, c'est mon bouclier alors, l'autre? Si c'est pas ma fin, je vais... C'est pas ma fin, les gars! Réparer. Giga Chad! Quand vous êtes trop proche des ennemis, vous pouvez les frapper avec 4. Attends, on va tester un takedown, les gars. On va tester un takedown. Oula, 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 t'entourne pas, chérie. Boum! Boum! Headshot! Ah oui, ça one tap! Prends les armes, non? Et voilà, El Classico. Je rêve d'avoir une mitraillette là, les gars. Ça me manque, hein. Franchement, les FPS, les gars, ça me fait trop plaisir d'avoir cette OP, bordel! Je veux une arme! Far Cry, si, je l'ai déchiré, les gars. Je l'ai déchiré, les gars, en plus. Donc, les gars, ça me fait trop plaisir. Franchement.
Ça me fait trop plaisir. Là, vraiment, j'ai tout ce que je veux là en cette fin d'année, les gars. Tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux en cette fin d'année, les gars. J'espère que vous, c'est la même, les gars, dans vos objectifs, dans vos rêves, dans vos passions, dans votre taf. Parce que moi, je vis le rêve, là, les gars. Moi, je joue aux jeux vidéo, les gars, c'est... On a dormi combien de temps ? J'avoue. Putain, il y a de l'herbe sur les portes. Mais là, on a dormi quelques années, là, hein. Allez, larme. Donne-moi l'arme. Miam. Ouh, le mecha. Alors là, c'est foutu, je suis mort là. Je te tiens. Vous avez quoi, Ardyn? Bon, pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. T'as pris des rides, vieux con. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Oh! Donne-moi la carte, tu vas voir. T'as un noob, je suis un PGM, genre, t'es gold, je suis master, grand master, pro gamer. Alors ce système de jump, il est très intéressant parce qu'il y a une espèce de délai. Et ça joue. C'est pas passé loin. Ça joue. Solek. Il est mort. Il est mort pour moi, les gars. Chiche. Ouah, c'est beau. C'est ce qu'il disait, les gars. C'est ce qu'il disait, c'est que c'était très très beau, les gars. Mais vous avez vu les déplacements, comment ils sont fluides. C'est très très beau, hein. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'ils avaient dit tous les tests, hein, tous mes potes qui ont testé le jeu. Wow! Ouais, c'est beau. C'est excellemment beau. Non, vraiment, c'est très beau. Et attends, je lag pas, vous laguez pas, les gars? Attends, je vais réduire la prévue. Parce que là, quand même, je pense que ça va tirer, ça. Hein. Vous laguez pas, les gars? Quand je bouge comme ça, ça lag pas? Tout est bon? Et oh, peut-être que les autres ont suivi l'eau. Ah non, c'est fort. J'ai cru comprendre que tu voulais changer l'identité graphique de ta chaîne. Je suis un jeune graphiste et j'aime beaucoup ce que tu fais. Vas-y, propose-moi. Discuter de ce que t'aimerais avec. Si tu veux faire un truc, vas-y et je te paierai. De te voir sur ce jeu plus petit. Si j'aime pas, je t'avoue que. Mais c'est absolument fou là ce qu'on voit là, non? Les gars, je tiens à vous dire quand même que je ne suis pas encore en hashtag ad. Le hashtag ad, c'est avec Squeezie, ok? J'ai décidé de faire le tuto de moi-même. Volontairement parce qu'on m'a dit que c'était un banger le jeu, d'accord? Mais pour le coup, il est très très joli là, les gars. Les gars! Il est surprenamment joli là! Encore la RDA. Que s'est-il passé? Oh, des flèches, donne les flèches! Oh, les flèches sont gigantesques, c'est fou. C'est fou comme les humains, ils ont l'air petits. Attends, c'est par là que je vais là ou pas? Merde, c'était quoi le bouton pour réveiller les gars? C'était quoi le bouton réveiller les gars? À deux d'acheter jeux. Bah en fait ils m'ont filé une clé. J'aurais demandé une clé en plus pour Google. Je suis un frère, t'as vu. Mais j'aurais peut-être pas dû lui donner. J'aurais dû lui donner à un de vous. Waouh, les plantes qui se rétractent comme dans le film. Mais attends, mais c'est magnifique là. J'ai même envie de mettre la profondeur de champ, même si je déteste ça, les gars. Attends, vas-y, je vais essayer de manger ça. Ah oui, effectivement, c'est ma jauge violette. Station de carburant. Alors les gars, ça va même paraître comme quelqu'un qui se plaint. Mais les gars, il y a peut-être trop de détails. Il y a trop de détails, les gars. Tu sais, j'ai pas l'habitude d'avoir un jeu où il y a trop de détails. Je suis là.
Et du coup, là, je suis un peu perdu. Attends, il est en train de mourir, lui. T'as mangé quoi hier soir, mec? Oh, non! Là, on est vraiment sur un next-gen, ça fait plaisir. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Oh, tu lui as carotte son arc? Ok. Quoi, tu gardes pas des flèches. Il faut un fusil à pompe. Des broussailles et souple. Tiens, dis-moi, un fusil à pompe. Je veux un fusil à pompe. Fais confiance à tes sens. Mes sens? Donnez-moi un fusil à pompe. Ils ont besoin de lumière, mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Je veux un fusil à pompe. X pour utiliser les sens des Na'vi. Ah, voilà. Ici chez toi, la forêt te parlera si tu l'acceptes. Donne-moi du bois. Enfin, un petit réveillon là. Donc ça, c'est ce qui va me donner des flèches. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Donc en fait, ça dépendra de la plante. Alors là, je reste appuyé ici, j'avais déjà capté. Et là, je fabrique des flèches. Et c'est quoi les autres? Ouh, je connais un jeu qui a fait exactement ça. Tu peux bouger? Le Dapofet. Je connais un autre jeu qui avait la même chose. C'est pas mauvais, hein. Un très bon jeu d'ailleurs. Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Voilà, ça c'est du révélo que j'aime. Ça c'est bien ça. Alors en plus, dans le jeu là les gars, tu peux activer une option qui fait que quand je passe sur les trucs, ça les ramasse. Vous voulez que je mette ça les gars ou pas? Quand je passe sur un truc, ça le ramasse. Non? Oh mais les gars, c'est vrai que c'était un univers assez osé de faire un jeu vidéo les gars sur Attends, j'ai pas ouvert la carte encore. À voir quand j'aurai déchiré. Ouh. À voir quand j'aurai Les gars, petit fun fact, hein. Vous savez, là où a été filmé Avatar, je suis allé visiter. C'est en Chine, dans les provinces du Hunan. Ok, c'est carré, hein. C'est carré. Je récupère pas mes flèches. Je récupère pas mes flèches. J'ai trouvé le Dapofet. Je reviens. Ok, la sacoche. Il est mort. Donc en fait, toutes les plantes, tu vas en tirer quelque chose. Donc va falloir être attentif. Est-ce que je peux tuer ce moustique? Non, j'aime pas les moustiques. Reviens. Ouais, ouais, crie. Oula! Easter egg! Oh. Ah ouais, donc t'as des trucs comme ça et tout. Ah ouais, faut faire attention. Tu peux vraiment être sur les arbres pour buter les moustiques. Non mais ça c'est magnifique ça. Headshot! Ah ouais, donc c'est bien ça, il y a des belles fonctionnalités. Oula, non, il y a un mecha, les gars. Utiliser sans avis ou combat vous permet de repérer les ennemis, leurs points faibles. Il ne se laissera pas capturer vivant. Ok, alors comment est-ce qu'on va aborder ce combat? Je peux pas grimper aux lianes là, ici. Alors le premier combat il est toujours très important les gars. Je crois les gars que c'est... Attendez, il y a du loot. Je suis pas intéressé par l'argent, ce serait ma manière de faire un don à un gigachad.
À qui puis-je parler pour savoir ce dont tu as envie et où est-ce que je pourrais te montrer tout ça? Vas-y, t'inquiète. Merci mec. Discord, c'est là pour la... c'est là pour toi. Ouais, c'est carré, hein. Les combats sont carrés. Alors j'ai un shield, hein, vous avez vu? J'ai un shield. Alors c'est juste un peu dommage que je les vois en haut là, que les ennemis. Ah, tu peux les cancel slide et tout, là, c'est vraiment pas mal. Chat, j'ai eu extrêmement peur. Ouh, attendez. Attendez, j'ai même pas fait exprès d'appuyer là. J'ai eu extrêmement peur que ce jeu soit en troisième personne, les gars. Et moi, j'adore les FPS, les gars. J'adore les FPS. Vous savez que je suis team FPS, les gars. Tu apprends vite. C'est comme ça qu'on se soigne. Moi aussi, je peux me soigner? Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. On fait un collier de vie? Attends! Ça... Et je fais quoi maintenant? Ça va me donner un buff. Faire. Ah, il a dit quoi? Il a dit faire. Ouvrir tes racines, sale. Je fais quoi? Non, faire. Avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Bah ouais, mais j'aurais pu te suivre direct, genre. Pourquoi t'es parti? J'aurais pu te suivre direct, là, mon frérot. Ah, le Revelio, il est pas ultra vénère en plus, les gars. Si vous sentez un avis pour récupérer, vous dirigez les emplacements de quête, objectif de quête. Là-bas. Oh là là, comment je vais monter là? On va essayer de monter par là, les gars. Et voilà, c'est reparti pour glitcher. Ouh, attends, mais. C'est que ça passe? Ça, c'est quoi, ça? Attends. Tirez doucement. What? Attends, mais ça, j'adore ce genre de QTE, les gars. Vous avez vu? Donc, en fait, tu dois respecter la nature, mec. Et arracher la branche dans le bon truc. Si vous récoltez une plante sans l'abîmer, vous recevrez un bonus de récolte exemplaire. En la récoltant dans les conditions, j'ai pas eu. Attendez une seconde, il y a un moustique. Voilà ce qu'on fait. Ça, on respecte, hein. On respecte la nature, les gars. On bute les moustiques. Ok, les gars? Très important. Mais attends, mais je savais pas qu'il y aurait eu une verticalité de zinzin aussi. Waouh, la verticalité? Pas mal. Non mais mec, c'est... Non, ce jeu, il est formidable, les gars. Il est formidable, les gars. Ouch. Attends, mais non, mais il faut que je farme, là. Il y a des plantes, là. Il y a des plantes. J'ai vu une plante. Je l'ai vue, elle est où? Là. Il améliore les bonus de caractéristiques. Si vous récoltez une plante dans des conditions optimales, vous obtiendrez un bonus de conditions optimales. Il améliore les bonus de caractéristiques principales de la plante. Mais attends, mais c'est formidable. J'adore. En fait, le concept de récolte, vous savez que moi, je suis un récolteur. Ok. Non, par contre, là, il y a des trucs chelous, là. Sacoche médicale est pleine. Nourriture. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce jeu, qui explose quand elles sont bien mûres et abîmées. Ouh. S'il y a des mecs à côté là? Non?
Ok, bon. Peut-être pas assez mûr, hein. Donc la nature est de mon côté dans ce jeu, les gars. Vas-y. Boum. Boum, non. Wouh. Oh là 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 là, fort, très fort. Alors ça, ça explose, non. Bâton. Non, ça, ça pète, c'est sûr. Ouais, ça, ça pète. Ça, ça pète. Normal. Donc ouais, il faut que tu explores. Et la nature est de ton côté. Il se passe quoi? Spore toxique cette plante. Spore toxique. Mais elle est pas de mon côté, elle. On va la farmer? Impossible de la farmer, les gars. Ah ouais, mais là, j'ai envie de tout explorer, les gars. Mais attendez, il faut que je finisse le tuto, les gars. Ah ouais, j'ai envie de tout explorer. Je suis désolé, chat, mais là, ouais. Ah ouais, non, mais j'ai hâte de voir en plus niveau compétences, niveau arbre de compétences, niveau progression. Ça, c'est, j'ai très hâte de ça. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment les breaking points. Casse de Dopolé. Et Tisbrume. Tisbrume, ok. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien. Et alors ça, c'est pour le soin, ok. Ok, ok, ok. Et même le système de saut, les gars, il est formidable. Genre, il est cool parce que tu as deux systèmes de saut d'entrée de jeu. Tu sais, sans compétences. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ouh, waouh! Attends, on n'a pas assez pris de temps à contempler, bordel! Je suis même pas encore hashtagade! Oh, attends, reviens! De la viande! Ouh, attends, c'est quoi tout ça là? Tiens, ça, j'aurais bien mis plein de trucs à ramasser là, tiens. Ça, c'est quoi ça? Inspecter. Odeur hexapène jeune. Donc, c'est comme ça que tu suis en fait les animaux. Oh, attends. J'ai pas exploré sous l'eau aussi. Non. Nickel. J'aurais mis plein de trucs ici à looter, moi. Tiens. Ça, c'est quoi ça? Une plante qui dégage une odeur méthane surmontée et qui fait penser à des fouets. Tu vois un enfer? Quand même. Oh, le village, la tour. Attendez, et vous allez où là, comme ça là? Oh le bâtard, il y a de la vie. Ah le bâtard. La nature, c'est mon truc, les gars. Headshot. Élimination sans bavure. Ah, j'ai pas eu élimination sans bavure, ok. Wouh! Viande grasse, ok, nickel. Ouh, ça, c'est quoi ça? Encore un fruit? Convenable. Ah, j'ai pas encore le truc. Ah, il manque de la pluie, en fait, d'accord. Après quelques fois, les DSL récoltent. Non. Attends, il faut vite que je rejoigne l'arbre, les gars, il est 19h là. Elle est maquette. Il faut que j'avance, les gars. Mais attends, mais les humains, ils sont nos potes, c'est nos potes. Station de cuisine. Oh là 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 là, le jeu, il va être infini, putain. Non, mais le jeu, il va être infini, les gars. Eh, ouvre la porte, j'entends rien, là. On n'entend rien du tout, Priya. Ah, il n'y a pas d'oxygène pour eux. Ah, oui, c'est vrai. L'oxygène des humains, nous, on peut pas le respirer, mais eux, ils peuvent pas respirer notre oxygène. Putain, les gars, je suis surpris des graphismes. Je pense avoir compris comment régler ça. C'est fou. Une je suis surpris. Je suis trop contente de te voir, parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh, pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance.
Ouais, je sais. Oel Nyati Kamie. Quoi? Bienvenue dans la résistance, chat. Attends, mais il faut que j'avance dans le tuto là, parce que là j'ai à peine avancé. Parlez à Alma et Télé, le centre de commandement. Tout va bien. Respire un bon. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Salt Lake m'a sauvé. Où sont les autres? Rignella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait... Quoi? 16 ans? 16 ans qu'on dort? Waouh! C'est pas possible. Vous devez comprendre. Mais du coup, nous, on est congelés, donc c'est bon, non? Voir tous aujourd'hui. C'était notre prof, elle. Vous n'avez pas idée de la joie que ça... Qui a fait ça? Qui a fait le bruit, là? Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute. Prends ton temps. Y'a un quête, c'est moi qui l'ai fait. Raj va s'occuper de toi. Je suis désolé. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi. Salut ici. Mon Locke. On va avoir de nouveau du Weed Shop prochainement. Tu verras. Ouais, t'inquiète. Mec, j'ai trop de trucs à faire. J'en ai trop là. Accompagner Taylan à rejoindre. Ça paraît irréel. Ouais. Je ne sais pas. Comment ils sont petits. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? On a plein de matos. Il est là-bas. Ouh! Lui, Raj? Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre... Oh, le shop! Parlez, ok, ça c'est le shop. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh. Ok, j'accélère, les gars, il va me présenter le shop, ok? Récupérer de nouvel équipement auprès de Rajinder. Tu as besoin d'une nouvelle tenue? J'ai combien d'argent là? C'est gratuit ça? Vas-y, moi je prends, c'est gratuit hein. C'est gratuit non? Merde, j'ai payé! C'est quoi ça? Puissance de combat, ah! Oh, waouh! Non, je veux tout ça, moi. Et ils vendent des plans aussi, ok. Et j'ai 3 pièces détachées, d'accord. Et là, il en faut 15 pour le jet de combat. Ok. Ok, nickel. J'équipe mon stuff. Nickel. Vous, je peux vous donner quelque chose en échange? Non, rien. Pour cette fois. Non. Circonstances particulières. C'est la résistance qui paye pour son stuff. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le moi. Ok, donc ils rachètent aussi mes... Ils sont étranges, non? Ils rachètent mes ordures, en gros. Je crois que je les aime bien. Chargez bien détaché, ok. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et c'est cette technologie. Oh, frérot. Absolument rencontré à... Passe un sac. Tu as vite pris tes marques? Je veux un shotgun. Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la table. Mais tout le monde est très... Excuse-moi deux secondes. Excuse-moi deux secondes, il faut que je vole. Hein? Je suis où là? Non, je veux rentrer! Désolé, chat. Il fallait absolument que j'aille voler un petit peu, les gars. C'est bon. Je crois que je les aime bien. Grenade? Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Chut, tester cette technologie.
Tu dois Chut. Absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques ? Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Oh ! Au moins la vitesse de déplacement quand vous visez. C'est ça les branches ? Là je fais quoi ? J'active et boum, ça part ? Ah non, j'avais déjà une branche. 21 de dégâts. Ah mais c'est tous des arcs. Attends, je comprends rien. Ah mais c'est la même chose en fait. Ah ouais d'accord, c'est la même chose. Et là je peux faire quelque chose avec ça, le voir. Faut de la mousse. Pour améliorer le stuff, il me faut de la mousse. Ok. Appuie sur G pour lancer une grenade. Taylan. Ouh. Dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire. Alex est notre bricoleur. Il fabrique des. Ok, ça va laguer un peu les gars, je vais lancer un DL. Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça? Désolé les gars, je lance un téléchargement, bougez pas. Investigation des données. Il est plutôt cool, hein? Adjir n'aime pas son nom, mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Oh, le grappin! Les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Chad, désolé, je suis en multitâche, je vais tout faire en même temps, les gars. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous? Non? C'est bon. On pourrait? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. On y va, les gars, on y va. Puis sur G pour lancer la grenade. Utilisez-les pour immobiliser temporairement les ennemis. Ok. Équipez le SID. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Ah mais attends, mais c'est un pistolet réparateur. Qui passe sous nos pieds. Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer ? Mais ça y est. Ah ouais, c'est le pistolet énigme les gars. Et voilà. Trouver la fréquence. Clique pour activer le SID. Et AE pour trouver la bonne fréquence. Les gars, je suis en train de le télécharger. C'est là que ça se passe. Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Donc faut rester cliqué et après il faut faire A et E. Ce qui était exactement écrit les gars. Donc là il est keblo par ce truc là, on est d'accord. Non mais là il se passe quoi là? Ok nickel là. Gagné non? Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire? Ouais. Alors, j'ai rien compris, mais vas-y. Qu'est-ce que ça, j'ai compris? Je suis QI supérieur. QI supérieur, les gars. Je crois que c'est bon. QI supérieur, qu'est-ce que vous voulez dire?
Bienvenue dans la résistance. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Tu vois, quand t'es droitier, tu décoches la flèche avec la gauche et tu tiens l'arc à droite. Alma est en train de réunir tout le monde. Moi, je suis droitier, mais je tiens l'arc à gauche, les gars. Retrouver sa aventure à l'extérieur du quartier général. C'est où ? Quelques pièces pour mon Samson dans les ruines de la base de Mercer. Et un chef de la RDA en moins. Je vois pas, les gars. Yes. Des bâtons. Ok, nickel. Oh, il pleut ? C'est où ? C'est là. C'est là, non ? C'est l'arbre ! Oh, les cachotiers ! Voilà ! J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Les gars, s'il vous plaît, n'achetez pas The Day Before. Ne l'achetez pas. J'arrive. Occupe de vous. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Clo-Clo, c'est relou comme commentaire. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Taylan ? J'ai un choix ? On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Ouais. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nord, allez, viens. Tout le monde attend. Ah ! Ok. Donne-moi une minute. La c'est quoi ça est différente ici. Un dressing. Attends, mec, il faut que j'avance. Au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Comme nos anciens. Non, je l'ai perdu.